La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 9 février 2023 de 10h à 12h sous la présidence effective de Son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 février 2023, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, a regretté le terrible tremblement de terre survenu le lundi 6 février 2023 en Turquie et en Syrie, ayant entraîné la disparition de plus de 16 000 personnes. Le chef de l'État a présenté les condoléances attristées de la Guinée au peuple et au gouvernement turc et syrien, et une minute de silence a été observée à l'occasion de cette douloureuse circonstance. Le président de la transition a ensuite instruit le Premier ministre d'aller faire part de la compassion du peuple de Guinée à ces deux pays meurtris par ce violent séisme. Le chef de l'État, après avoir souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement, a attiré leur attention sur la multiplication des voyages inopportuns à l'étranger. À cet effet, il a affirmé qu'il appartient au Premier ministre et au ministre secrétaire général de la présidence de s'assurer de l'opportunité des missions en vue de rationaliser les dépenses de l'État. Car pour le président de la transition, chaque voyage coûte aux contribuables guinéens. Dans la même logique, le président de la transition a indiqué qu'il est important que la demande d'ordre de mission soit accompagnée d'un exposé des motifs et qu'au retour, un rapport soit fourni. Le chef de l'État a ensuite porté son message sur deux points, à savoir la célébration de l'an 1 du Conseil national de la transition et la maîtrise de la situation des contractuels de la fonction publique. Au titre du premier point relatif à la célébration de l'an N du Conseil national de la transition, le président de la transition a rappelé que le week-end dernier, l'organe législatif de la transition a célébré l'an 1 de sa prise de fonction et qu'à cette occasion, certains pays frères et amis ont fait l'honneur à la Guinée de prendre part à cette célébration aux côtés des honorables conseillers nationaux, en envoyant d'importantes délégations. Dans la même lancée, il a cité le cas du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et du Parlement de la CEDEAO, en affirmant que ces visites pleines de symboles, d'attachement et d'idéal panafricain sont aussi la manifestation d'excellentes relations entre la Guinée et ses pays frères et l'institution ouest-africaine. À cette occasion, le chef de l'État a remercié ses homologues, leur excellence, les présidents Assimi Goïta, Mohamed Idriss Déby, Ibrahim Traoré, pour leur amitié et leur solidarité à l'endroit du peuple frère de Guinée. Aussi, il a félicité le Conseil national de la transition, non seulement pour la qualité des travaux et les services rendus à la nation, mais aussi pour l'harmonie entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. S'agissant du deuxième point relatif à la maîtrise de la situation des contractuels, le président de la transition a constaté avec regret que certains ministres ne maîtrisent pas la situation des effectifs dans leur département. Il a souligné que la contractualisation est aussi une voie légale de contournement aux dispositions de recrutement dans l'administration publique. En outre, le président de la transition a rappelé aux membres du gouvernement qu'il leur appartient de donner une situation claire de la masse salariale au ministre de la fonction publique et du budget. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 février 2023. Après les salutations d'usage, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a introduit son message par le compte rendu de sa récente tournée dans la région administrative de Boké. Il a précisé que la dite tournée s'est déroulée du 2 au 6 février 2023 en compagnie de certains membres du gouvernement
ainsi que de son cabinet, et qu'elle avait pour but de s'enquérir du fonctionnement des administrations et de toucher du doigt l'état d'avancement des différents projets publics et programmes en cours d'exécution dans la région de Boké. À cette occasion, le chef de gouvernement a remercié les ministres en charge des infrastructures, de l'enseignement technique, des postes et des télécommunications, de l'urbanisme et de l'habitat, de l'énergie et des hydrocarbures, du tourisme et des finances, du plan et de la coopération internationale pour leur participation remarquable à la réussite de la mission. Aussi, il a informé avoir fait des rencontres avec les autorités locales ainsi que les notabilités et populations pour faire passer le message traditionnel de paix, de solidarité et de cohésion sociale de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. À cet effet, le Premier ministre a rappelé avoir donné des instructions fermes au gouverneur de la région de Boké et au préfet pour le suivi et les comptes rendus sur l'évolution des 37 projets publics dans la circonscription de Boké. Dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le financement des projets du gouvernement de la transition, le Premier ministre a informé avoir eu également une rencontre avec les directeurs des régies financières et les inspecteurs afin de les inviter à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions pour une meilleure gestion des deniers publics. À cet effet, il a informé avoir fait certains constats sur le terrain, à savoir le paiement effectif des factures aux entreprises qui évoluent dans ces projets. Il a aussi noté le besoin de renforcer les équipes de l'ACGP et les bureaux de contrôle à l'intérieur du pays. Il a souligné le fait que les gouverneurs et les préfets n'ont aucune visibilité sur les sentiers inscrits dans leurs différentes localités pour en assurer un bon suivi. Pour ce faire, le chef du gouvernement a invité le ministre de l'Économie, des Finances, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à se mettre en rapport avec tous les gouverneurs pour leur fournir la liste exhaustive de tous les projets inscrits dans leur localité, afin qu'un suivi rapproché soit effectué pour permettre à chaque gouverneur de faire parvenir chaque mois à son cabinet un rapport de suivi des projets exécutés dans sa région administrative. Pour terminer, le chef du gouvernement a invité les ministres des infrastructures, des travaux publics, ainsi que les membres du pôle financier, dès après le Conseil, de se retrouver sur les dossiers de réhabilitation des travaux publics à l'intérieur du pays et leur mode de financement. Au titre des communications, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a fait deux communications. L'une relative à la réflexion sur la création d'une école polytechnique civilo-militaire et l'autre relative au projet de loi portant création du statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique, de documentation et d'information. S'agissant de la première communication, elle a informé que les réflexions ont été menées et que les parties prenantes ont salué l'opportunité d'une telle mesure et ont formulé quelques pistes de recommandations, à savoir l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles, la création des lycées techniques, la création d'une nouvelle école polytechnique annexée aux classes préparatoires aux grandes écoles. S'agissant de la deuxième communication, elle a expliqué la nécessité pour la République de Guinée de se doter d'une loi portant création du statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique, de documentation et d'information scientifique. Le ministre secrétaire général du gouvernement a fait une communication relative à la procédure de soumission des projets de communication des membres du gouvernement à la plateforme e-conseil qu'il entend mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Il a rappelé la nécessité de la mise en place de la plateforme e-conseil de gestion digitale du Conseil des ministres. Au titre des décisions, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. S'agissant de la communication relative à la réflexion sur la création d'une école polytechnique civilo-militaire, le Conseil a validé la création d'un système de classes préparatoires dès l'année prochaine au niveau de l'enseignement supérieur. Il a décidé la création
des lycées techniques au niveau de l'enseignement technique et professionnel. S'agissant de la communication relative au projet de loi portant création d'un statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de l'innovation, de la documentation et d'information, le Conseil a validé le projet de loi et invité Madame la Ministre à se rapprocher du ministre secrétaire général du gouvernement pour la suite du processus. Le secrétariat général du gouvernement, sur sa communication relative à la procédure de submission des documents de projet de communication des membres du gouvernement en conseil interministériel à la plateforme e-conseil et à la procédure de soumission des textes normatifs. Le conseil a validé la mise en place d'un système de gestion digitale des conseils de ministres. Il a instruit le ministre le respect de la procédure de soumission des projets de communication et exigé la poursuite par les départements ministériels des procédures de soumission des textes normatifs au secrétariat général du gouvernement. Au titre des divers, à l'occasion du terrible tremblement de terre survenu le lundi 6 février 2023 en Turquie et en Syrie, le Premier ministre, chef de gouvernement, a informé qu'il se rendra ce jeudi 9 février 2023 dans les ambassades des pays concernés pour présenter les condoléances au nom du président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée. Madame la ministre de la Pêche a informé que du 31 janvier au 5 février 2023, une forte délégation guinéenne conduite par elle est composée des cadres de son département, des opérateurs privés du secteur de la pêche et de l'aquaculture, ont pris part à la 6e édition du Salon halieutique à Agadir, au Royaume du Maroc. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a informé le Conseil qu'une mission s'est rendue sur le site du barrage hydroélectrique de Tinkiso pour faire l'état des lieux sur l'embassement du lac, la retenue d'eau, afin d'éviter le dysfonctionnement de la desserte en eau de la préfecture de Dabola. Il a suggéré ce qui suit. Le démarrage des travaux de dragage du lac de la retenue du barrage par un professionnel au plus tard en mars 2023. La protection par le reboisement des têtes de source et les galeries forestières du bassin ainsi que des zones dénudées du bassin. L'aménagement des berges de la retenue pour réduire l'érosion. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a fait un compte-rendu succinct de sa mission relative à la réunion des ministres de l'éducation du groupe 77 plus la Chine au congrès international avec le groupe du travail pédagogique 2023 à Havane, Cuba, du 30 janvier au 3 février 2023. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait le compte-rendu de l'état d'évolution du programme de travail portant sur l'enrôlement biométrique des fonctionnaires au niveau des préfectures. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a informé le Conseil de la cérémonie de remise officielle des diplômes aux bénéficiaires de la formation en soutien à travers le programme ERCUN prévu le jeudi 16 février 2023. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a informé que la conférence des évêques catholiques de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue à Conakry du 4 au 8 février 2023. Cette rencontre a porté sur le partage de la réalité du terrorisme dans quelques pays du Sahel, ceux qui sont voisins à la Guinée et dont la situation est la mieux connue, puis des prières pour la nation et les autorités de la transition ont été formulées. La ministre du Plan de la coopération internationale a aussi fait le compte-rendu de sa mission en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a informé de sa récente mission au Sénégal. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a informé le Conseil que la NSA Assurance a offert à son département des caméras de surveillance et des kits scolaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'est félicité de l'adoption par le CNT du West Africa de recherche et de services scientifiques sur les changements climatiques, WASCAL. Le Conseil des ministres, Conakry, le 9 février 2023.